Coucou tout le monde. Ben voilà, là, alors je suis en train de ranger mes trucs et puis réécouter mes enregistrements audio. Et je suis retombé sur l'enregistrement audio où j'ai eu l'entretien avec la psychologue du CMPP. Donc, on verra quand même hein, que je me suis un petit peu emporté, que j'ai un peu déballé. Hein. Mais vous pourrez constater qu'elle voit le petit, qu'elle ne sait pas qu'il a des frères et des sœurs, qu'elle dit que c'est les contextes auto familiales autour, ça ne la concerne pas. Autant qu'à la fin, elle dit que ça la concerne. Vous verrez l'ambivalence, vous le verrez par vous-même. Je vais le mettre tout de suite. Je ne vais pas trop parler parce que ça fait le truc qui fait 1 heure. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et puis régalez-vous bien. Jeudi 19 ça un petit peu parce que c'est bon. Pas bon ça. Très bien. Pour le moment,
Voilà, je l'ai rencontré avec sa maman lors du premier entretien, puisque c'est elle qui garde Durham, d'après ce que j'ai dit. Ouais, depuis peu, d'accord. Voilà. D'accord. Et donc, je me devais de vous rencontrer ici, puisqu'on entamait un bilan pour Durham, et je pense qu'on va poursuivre les séances. Avec Johan, je ne suis pas encore arrivée à la fin du bilan, si vous voulez. Ouais. Et puis en fin de bilan, j'en parle aussi en institution avec les collègues de l'équipe. Voilà. Mais pourquoi il est suivi? Pourquoi il est suivi? Il y avait une demande en fait qu'il était suivi par Madame Roland à la PAD. Oui, d'ailleurs, je n'étais même pas au courant. J'ai appris ça hier. Vous n'étiez pas au courant qu'il était suivi? Non. Comme vous, je n'étais pas au courant qu'il était suivi, c'est parce que la maman, la bande, on lui a envoyé dans un message, parce que je savais même pas qu'il était suivi. Ah oui, d'accord. Écoutez, voilà, en fait, c'est pour ça qu'il est suivi. Il y a eu une demande de la part de la PAD et puis de la maman qui invitait à qu'il soit suivi ici. Donc, moi, je prends la suite un petit peu de ce suivi, si vous voulez, de Madame Roland, à qui j'avais téléphoné, je l'avais payé en direct. Et donc, j'avais dit que. Voilà, le bilan est en cours. Hein. Si vous voulez, moi je suis dans une période de bilan avec Johan pour le moment. C'est-à-dire qu'un bilan fait 6 séances. D'accord. Là, on doit être à la 5e. Et voilà, après je fais le point sur le suivi. Et puis on voit en équipe aussi avec mes collègues s'il s'agit de poursuivre au-delà des 6 séances. D'accord. Vous voyez, pour un travail. Et pour le moment, il en ressort quoi? Pour le moment, il en ressort que Johan vient volontiers à ses séances. Il m'a semblé qu'il y avait des éléments un petit peu quand même d'agressivité dans les relations avec les autres, à l'école. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait faire aussi l'objet de nos entretiens. Hein? C'est quelque chose qui est... ressort d'une certaine manière dans les... Vous savez, les enfants produisent beaucoup, ils découvrent beaucoup, ils créent, ils sont inventifs. Donc il y a des choses qui ressortent un petit peu de cette dimension-là dans ces productions. Voilà. Et au niveau du contexte familial? Au niveau du contexte familial. Du côté de la maman. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il en ressort quelque chose ou pas? Alors, moi, pour l'instant, je n'ai pas. Si vous voulez, ici, c'est l'enfant, en fait, qui est ici en entretien. Ouais. Donc, moi, j'ai reçu la maman par rapport au fait qu'il s'agit bien que quelqu'un amène un enfant. Donc, il se trouve que c'est elle qui est à la garde pour le moment, c'est ça? Vous dites depuis peu, c'est depuis combien de temps? Depuis le mois de juin, 2016. D'accord. Donc, elle est à la garde de Johan à temps plein depuis. Et je n'ai même plus le droit de le voir. Ah, d'accord. Sauf en zone médiatisée. Médiatisée, gérée par la base. Oui. Alors, bon. Le suivi ici, c'est nous, on ne suit pas les parents. Non, le CRPP, c'est vraiment pour les enfants de 0 à 20 ans, enfin voilà. Vous trouvez comment, autrement, Johan Moi, je trouve, enfin, en tous les cas, plutôt dans une phase où on fait connaissance. Où on établit un petit peu un lien, qu'un voix pensée qu'il vient volontiers, je trouve qu'il est au travail, il produit, voilà, c'est lui qui a fait un petit
derrière, avec une espèce de grandes dents. Voilà, Dieu, non. Johan, voilà, qui est son prénom ici. Johan, voilà. Il s'inscrit dans les séances, il vient volontiers dans les séances. Donc moi, pour l'instant, je n'ai pas fini mon bilan, j'en ai pas encore parlé aux collègues. Je pourrais après vous en livrer les conclusions, si vous voulez. Mais pour tout ce qui est social ou familial, moi, je n'ai pas de regard là-dessus. Ah ouais, donc c'est-à-dire que ce qui se passe autour, oui. Le début, ça veut dire que c'est pas pris en compte, c'est-à-dire pris en compte que l'enfant. Enfin, c'est pris en compte dans la mesure où je suis attentive à ce qui se passe pour un enfant dans son milieu social, scolaire aussi, dans son milieu de vie, si vous voulez. Je suis attentive. Bien sûr, mais c'est pas des psychothérapies pour les parents ici. D'accord. Est-ce qu'il parle un petit peu de son papa? Et puis j'ai une dimension aussi de confidentialité aussi des séances pour les enfants. Vous voyez, c'est vrai, c'est le lieu de l'enfant, il s'agit que ce soit un lieu qui lui soit réservé. Je suis engagée de ce point de vue-là aussi avec l'enfant. Alors, parler de son papa, hier il en a été question, puisque il vous voyait après la séance, et puis son éducatrice est venue le chercher ici. Donc voilà, il m'avait apporté une galette. Donc voilà comment je peux vous dire, entendu parler de votre rendez-vous après, en tous les cas, Vous étiez quand même content de me voir. Oui, tout à fait, oui, ouais. Effectivement, oui, tout à fait. Il est venu avec ses gâteaux, on les a mis au secrétariat, j'ai déposé le temps de la séance, il avait l'air tout à fait, j'ai pas sorti d'opposition en tous les cas. Voilà ce que je peux vous dire. Vous voyez, il y a une dimension, c'est vrai, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour moi, parce que j'ai pas fini le bilan et que j'aime bien en parler avec une collègue. Comment vous interrogez un petit peu sur les contextes familiaux au moins? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Je n'ai pas questionné. Ouais. Non. Et ça vous semblerait important? Si je débat avec tout ce qu'il y a derrière, vous faites les bons sur votre chaise. Parce que c'est quand même bizarre que je me suis occupé de cet enfant depuis la naissance. Quand j'ai quitté la famille, je suis parti avec l'enfant. Bon, à un moment, elle a même décroché les câbles, les murs et tout, elle a viré tous ses jouets et tout ça. Ma mère, je lui ai dit, gardez, je veux le problème, elle me dit, je veux pas de merde, comment ça, voilà, tout ça. Et puis, un jour, madame se réveille, c'est mon enfant, t'es un salopard, t'es un pourri et tout, alors qu'il avait 3 ans, et bien j'ai joué là qui me donnait la garde. Je n'ai jamais privé Johan de sa maman. Si je faisais ça, à ce que c'était justement pour qu'il puisse voir sa maman. Et ça a été Johan pendant 3 ans a vécu l'enfer. Le pilori, si vous voulez, le pilori, je pourrais même le dire. Et que les éducateurs de la PAD n'ont fait que des faux rapports, ont caché la vérité, ont caché d'autres vérités qui décomptent, qui sont excessivement graves. Et que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que ça va sortir, ça va faire très mal. En fait, vous en occupez depuis la naissance, vous vivez avec la mère de Noah. Et vous, je me suis occupé. De votre seul enfant. Oui, et je me suis occupé des autres enfants de Magali. Est-ce qu'elle a des enfants Oui,
elle a 5 enfants de 5 pères différents. D'accord. Donc ça montre bien la stabilité. Et il y avait Olivia qui était suivie ici aux LBP, l'aînée, Olivia de Bourgogne. Et d'ailleurs, mon application auprès des enfants de madame ont été quand même très productives, puisque les enfants disaient que c'était leur papa du cœur. Donc un enfant qui dit quand même qu'on est le papa du cœur, je pense que c'est quand même assez positif, quoi, d'apporter de bonnes choses auprès des enfants. Et que maintenant, pour avoir récupéré cet enfant, je suis le plus grand des salopards, un obsédé du trou du cul de mon fils. Je manipule mon enfant. Vous avez eu la garde qu'à un moment donné, madame est partie, c'est ça? C'est moi qui ai parti de la maison, avec le petit. C'est vous qui êtes parti? Ouais. D'accord. Avec... Vous avez tout l'âge, hein? Il avait 1 an et demi. D'accord. Avec le consentement de la maman. D'accord, vous êtes parti avec Johan. Ouais, avec le consentement de la maman. D'accord, il avait 1 an et demi avec le consentement de la maman. Ouais. Bon, bien sûr, vous êtes parti. Parce que je faisais tout à la maison, je m'occupais des enfants, je faisais le ménage, la vaisselle, la lessive, l'éducation et tout, alors que madame passait ses journées sur Internet. Du matin au soir, et que j'ai même essayé de recréer des liens avec elle et les enfants, et que même les enfants me disaient, on en a marre d'Internet, ça écoutant tout sur Internet, d'ailleurs j'ai connu sur Internet. Et le papa de son dernier enfant, elle l'a connu aussi sur Internet. Donc elle est très addictive à Internet. Elle ne fait que ça, elle ne s'occupe pas des enfants. Et quand il y a un mec qui vient à la maison, le mec il a piqué et tout, donc il s'occupe des enfants parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes, ils sont libres à eux-mêmes. Et Yohan, déjà quand il était petit et qu'il venait, qu'il demandait l'attention et tout ça, et ben, elle s'énervait, elle lui mettait des grands canons dans la gueule. Elle lui a même une fois mis un coup de boule. Ça n'était que ça. Là, parce que là, vous le récupérez le petit, et pour que le petit puisse l'aimer, ils se sont acharnés avec son compagnon sur cet enfant. Et Emmanuel, il m'a dit comme ça que son compagnon a voulu le forcer à dire que je lui touchais le zizi. Je pense que c'est des choses qui lui ont vraiment des comptes plus graves. Les éducateurs de la base, ils n'ont fait que les trois fois. En disant que je prenais pas soin du petit, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Vous avez Johan, donc elle est partie. C'est moi qui est parti. C'est vous qui êtes parti, pardon. Quand Johan avait 1 an et demi, ouais. Ensuite vous êtes resté avec Johan. Jusqu'à quel âge alors? Ah ben là, c'est 5 ans et demi. Et que les services sociaux et les éducateurs ont tout fait pour me reprendre mon enfant. Ils ont voulu me faire passer pour un malade mental, ils n'ont pas réussi. Donc maintenant, on essaie de me faire passer pour un obsédé, pour un pédophile. Donc vous restez avec Johan jusqu'à 5 ans et demi. Ouais. Mais il voyait sa maman en tout ce temps-là. Et encore deux fois, j'étais obligé de la pousser pour qu'elle prenne l'enfant. Je vois qu'il me fait chier. Lui, c'est pas capable de garder, je peux le reprendre. Quand on a des airs, on dit, ouais, c'est pour la casse. Là, je vais constater hier et tout, comme la dernière fois, il est arrivé avec les ongles longs et sales, vous avez dû le voir peut-être hier, que vous l'avez vu. Elles sont pas changées. Elle en a rien à foutre. Elle, ce qu'elle pense, c'est sa petite vie, sa casse et tout. Et les enfants, non, non, non. Vous l'avez acheté, parce que c'est un anniversaire, je vais t'acheter un bon grand cadeau, t'as vu, j'ai une petite maman et tout, et ça, vous l'avez acheté pas avec elle. C'est pour ça que Yuan, il a toujours repoussé sa mère, parce qu'elle l'a toujours traité comme une merde, elle lui a toujours mis des claques dans la
comme visage et tout, on l'a toujours traité comme un moins que rien. Moi, j'ai toujours été gentil. Quand il faisait une bêtise, pas forcément le mot, mais je l'expliquais, ou c'était. Voilà, je me suis pris soin de lui, il faisait des activités, il était tout le temps, il est tout le temps dehors, il était doux. Qu'est-ce qui s'est passé, donc à 5 ans et demi, il a quel âge là ? Il est pas mort 6 ans, le matin. Ah oui, d'accord. Donc à 5 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous n'ayez plus la garde de Yoram ? Eh bien, je vous ai dit qu'il y a des contextes lourds et inquiétant. Ah, moi j'étais, je sais pas, moi je montre de mon enfant. Si je sais pas si vous êtes maman, mais si votre enfant vous dit j'ai mal aux fesses, oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez? Oui. Il me dit, bon, ben, j'ai les fesses, ça me gratte, ça me chatouille et tout, je commence à regarder. Eh ben, il me dit oui. Et je vois qu'il a des verres, ben, je me dis, mais c'est normal. Mm-hmm. Hein? Bon, quand il me dit, j'ai mal au fait, les fesses qui me brûlent et tout ça, eh ben, on regarde, on voit que les fesses sont rouges et tout, c'est compliqué. On met la couette. Oui, oui. On va à la prison, et c'est déjà un petit enfant l'auteur, et vous de regarder l'enfant, ils disent, oui, de toute façon, il ne faut pas être phobique et tout ça. Donc, on lui avait dit, quand même, à être obligé de regarder les fesses de son enfant qui se plaint, puisque personne ne veut regarder, et que si on va ramener à chaque fois l'enfant pour des contextes comme ça, qu'on vous dit, écoutez, il faut arrêter d'être phobique et tout ça. Hein. Donc, c'est normal qu'on regarde, si l'enfant vous dit qu'il y a un problème, c'est normal qu'on regarde. Pour voir et pour soigner. D'accord. On est là-dessus. Oui, donc alors il s'est plaint à un moment donné. À plusieurs moments. D'avoir mal aux fesses. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai mis juste de la pommade parce que c'était irrité. Et que j'ai beau faire tout ce qu'il faut et tout ça, on m'en va bouler. Et un jour, il est arrivé avec les fesses éclatées. Il faut savoir un truc, c'est que Tracadette, depuis tout petit, dort avec son grand-père, et que j'ai fait arrêter cela, que ces faits ont souvent été dénoncés et cachés. Il faut savoir que le troisième. Et qu'est-ce que c'est une arrivée dont vous parlez de Johan? Ouais. Avec les fesses éclatées, c'est quoi en fait? Je vous montrerai la photo, c'est horrible. Parce que moi, il y a tout que je le savais, il m'a dit, prends une photo, je veux voir. J'aurais pas pris de photo sinon. J'ai pris une photo, je lui ai montré. Non, mais je ne peux pas voir cette photo, mais ouais. C'était dû à quoi, en fait? Tout le monde dit, c'est constipation. J'ai montré la photo à ma mère, à ma belle-sœur et tout ça. Et tout le monde dit, ce n'est pas de constipation. Maintenant, ce qu'il faut savoir, un Gwen, le troisième, a été comme une victime d'une agression sexuelle. Alors, c'est qui Gwen? C'est le troisième enfant de madame. Le troisième enfant de madame. Voilà. Mais lui, il n'est pas suivi psychologiquement. La voix de Chloé, la cadette, a couché avec son grand-père. Depuis toute petite, elle est suivie psychologiquement. La grande, c'est-à-dire que... Chloé. Et eux. Et donc, c'est la fille de madame, c'est ça? Ouais. Hein, depuis toute petite, elle doit être suivie psychologiquement. Elle n'a jamais été suivie psychologiquement. Mm-hmm. Hein, par contre, Olivia, qui n'avait pas besoin d'être suivie psychologiquement, elle a été suivie psychologiquement. Johan, qui normalement ne devrait pas être suivie psychologiquement, est suivie psychologiquement. Hein, mm-hmm. Mais par contre, Chloé et Gwen, qui devraient être suivies, ne sont pas suivies. Il n'y a pas une aberration dans tout ça. Et que, justement, il y a des contextes lourds et inquiétants au milieu de du milieu familial, et ces contextes lourds et inquiétants sont protégés par le CEDAS et la PAL. Donc, vous voulez dire du côté maternel, en fait, c'est ça? Et donc, c'est pour ces conditions-là, finalement? Parce que j'ai dénoncé ces conditions-là, qu'on m'a cassé, broyé, mis tout à fait terre. Hein.
Vous savez, je suis issu d'une très bonne famille. J'ai été élevé par mes grands-parents. Ah, ma grand-mère avait la médaille du mérite de la famille française, entrepreneur militante. C'est bien, hein? Ça veut dire que j'ai eu une bonne éducation. Et est-ce que j'ai transposé auprès des enfants que je suis allé au sein de cette famille? On me dit, ah, oh, mais c'est parce qu'elle a fait des gosses. Hein? Et que je pourrais débattre, voilà. Elle est militante de quoi? Hein? Vous dites qu'elle a eu la médaille de. La médaille du mérite? Oui. Hein? De? La famille française. De la famille française. En tant que mère militante. Ah, d'accord. En tant que mère militante. Donc c'est un titre qui est honorifique. Oui. Hein? Mm-hmm. Donc, elle a un mot me dire, ah, mais c'est parce qu'elle a fait des gosses. Mm-hmm. C'est quand même insuffisant. Mm-hmm. Hein? Il y a beaucoup de choses comme ça. À la PMI, que j'avais fini le suivi PMI, donc il n'y avait aucun problème. Madame le maire me dit, il va falloir commencer à frustrer votre enfant. Je trouve que c'est quoi ce genre de parole? On ne fait pas ce genre de choses auprès des enfants. Hein? Si ça veut dire, il va falloir frustrer son enfant. La vie, elle est assez frustrante. Donc, c'est quoi ça veut dire quoi? Et je n'ai affaire qu'à des gens avec des propos douteux qui posent un questionnement. Maintenant, il y en a un. Et qu'est-ce qui a fait que il vous a été retiré? Donc, du coup, il y a 6 mois à peu près. C'est du fait de ce qui est arrivé, c'est fait. Oui, c'est passé. Il est revenu chez sa mère, il avait des gestes sexualisés. C'est-à-dire? Hein? Ah ben, des gestes, alors à l'école, ils disent qu'il a des gestes sexualisés, là encore, là, dernièrement, il a fait à la maîtresse ça. C'est-à-dire, je te laisse la chasse. Hein? Ça n'a pas de moi, ça. Et tout, comportement vulgaire, grossier, or que c'est un petit garçon, en vérité, qui est gentil, qui est poli, qui est très bien. Hein? Mais, quand il y a le laxisme d'un côté, ben, on finit par s'éteindre. Hein? Qui dit que, il y a un moment, il dit que Yohan l'insulte et tout. Yohan ne fait pas ce genre de petit garçon, il n'insulte pas les gens. Mm-hmm. Hein? Voilà, simplement, la mère, il faut savoir qu'il y a eu une étude psychiatrique, hein, et qu'il est reconnu qu'elle avait quand même déficience intellectuelle, hein, qu'elle ne sait pas se repérer dans l'espace et le temps, qu'elle a des problèmes de causalité. De quoi? De causalité. C'est la cause à l'effet, quoi. D'accord. Hein, c'est que là, un truc, quand on fait un acte, ça peut avoir des effets aussi bien bénéfiques que l'espace, quoi. Et comment vous savez tout ça? Non, parce qu'il est là, un rapport psy. D'accord, mais vous y avez eu accès? Ah, mais j'y ai passé aussi. Parce que dans l'autre sens, on voulait me faire passer pour un malade mental. Et alors, qu'est-ce qui a été dit? C'est votre. Ah, ben, je sais me repérer dans l'espace et le temps. Mm-hmm. J'ai pas de problème de causalité. Mm-hmm. J'ai l'air d'un garçon intelligent. Mm-hmm. Hein? Après, ce que j'apprécie pas, il dit que je fais une obsession sur la vie de couple. Hein? Moi, je conteste fortement. Parce que j'estime que quand on s'investit dans une vie de famille et qu'il y a des enfants, des étrangers qui disent « tu es mon papa » et puis qu'en plus il y a un enfant, mm-hmm. Hein, même si le couple ne marche pas ou que ça casse, on essaye de réparer les meubles. Mm-hmm. Hein, on essaie de sauver les meubles, surtout pour les enfants aussi, mm-hmm. parce que c'est important de préserver les enfants. Mm-hmm. Hein. Donc en fait... Et je trouve que c'est un degré de maturité quand même. Oui. Vous, c'est votre seul enfant, c'est ça. Et du coup, comment est-ce que vous le voyez alors maintenant? Alors, vous savez qu'il n'y a pas de droit de visite et d'hébergement, c'est ça. Ah, mais on m'a tout retiré. D'accord. On m'a tout retiré. Oui. Et je vous dis personnellement que ça va sortir, ça va faire très mal. Donc en fait, il y avait déjà une mesure à pas qui était... Alors, tout au début, ce qui s'est passé,
cette clouée faisait du mal à Yvonne. Hein? Alors, quand il avait 6 mois, je l'ai attrapé, elle était en train de mettre une couche sur la tête. Hein? Et il faut savoir que quand Gwen, le troisième, il était bébé, elle l'a lâché dans les escaliers. Avec Chloé? Ouais. Et que tout ça, tous ces contextes, ont toujours été effacés. Effacés, c'est-à-dire? Comme ce grand-père qui a toujours dormi avec Chloé, et que la maman a accepté. Moi, j'ai dit que c'est arrivé. Le grand-père maternel. Le grand-père de Chloé. C'est le grand-père paternel. Elle, parce que. Non, c'est vrai. Grand-père. Paternel. D'accord. Voilà. Okay, d'accord. Et il faut savoir qu'il y avait des contextes lourds, inquiétants déjà quand elle était avec le père de Gwen, et que le père de Gwen, il est tellement pété un câble qu'il l'a ligoté à une chaise avec du scotch sur la bouche. Mm-hmm. Et pour qu'il en soit arrivé là, c'est qu'il devait avoir des contextes vraiment, vraiment graves. Mm-hmm. Hein? Moi, Chloé, c'était un démon. Cette petite. Un démon. Et elle se posait même la pointe des ciseaux sous les yeux, comme ça. Elle avait la mettre, elle souriait à loin, elle le prenait, elle le lâchait au sol, elle le secouait, elle lui faisait des croche-pieds, et on regardait en rigolant. Et quand je venais, et que sa mère était sur l'ordinateur, hein, je lui disais, elle se dit, mais non, petit. Et puis elle disait, c'est pas vrai, puis sa mère, tu veux être tranquille, tu veux être tranquille. Hein, c'est toi le menteur. Et cette petite refuse d'être propre, et ceci, et cela, mais l'enfer. Mm-hmm. Et je me suis battu, j'ai voulu aider cette petite. Vous savez, les grands-parents de cette petite, hein, l'appellent 7 à 8 fois par jour, tous les jours. Que cette petite se battue psychologiquement, le grand-père s'opposait et menaçait la maman. Mm-hmm. Hein. Maintenant, je pense que vous connaissez les mots. Hein, disons subjugation, syndrome de Stockholm. Mm-hmm. Vous savez ce que ça veut dire? Mm-hmm. Hein? Et c'est parce que j'étais dans ces contextes-là que je me suis fait noyer. Parce que ces contextes-là sont protégés par le tenace, par la panne et par d'autres contextes. Parce que ce fameux grand-père dit avoir des connaissances et des relations. Et que toute personne qui a dénoncé ça s'est fait détruire et broyer. Sauf que là, ils sont tombés sur un œuf, ils sont tombés sur quelqu'un qui est coriace. C'est vous. Ah, ouais. Et puis vous savez, dans le sens de faire du blablabla, moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que si je suis issu d'une famille intelligente, hein, je suis peut-être, je ne vais pas être prétentieux, mais je dois être quand même loin d'être un imbécile. Vous dites que vous êtes issu d'une famille intelligente. Ouais. Sourdoué. Parce que ma famille, on était sourdoué. Vous êtes que des sourdoués. Ouais. Par exemple, j'ai mon cousin qui est grand maître international de jeux d'échecs. Autant que j'en ai une autre qui est ingénieur, doctorant. C'est ça. Cousin, cousine. On a que des trucs comme ça dans la famille. Le doctorant. Ouais. Oui. Ingénieur, la cousine, elle est en troisième année de l'école d'ingénieur, elle a exposé au moins de l'école. Mm-hmm. Ah. Après, on pourrait faire un long parcours. Après, ça, c'est leur fatigue à eux. D'où ça vient, de plus haut? C'est génétique, hein, je pense. C'est génétique. Ouais, ben, je pense, hein, c'est dans la famille. C'est dans la famille, mais c'est ça, vous avez des frères et des sœurs? Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans un niveau? Non. Non. Non, non, parce que moi, j'étais quand même dans un contexte un petit peu compliqué. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'être dans le contexte avec les grands-parents. Donc, j'étais dans des contextes équilibrés. Mm-hmm. Parce qu'ils ont des capacités, ils ont du potentiel. Mais comme il y a eu quand même quelques petits soucis et tout ça, ça détruit un enfant. Hein, ça. Vous avez été élevé par vos grands-parents?
été quand même élevé dans un contexte assez sain, équilibré. Bah, d'ailleurs, vous voyez, comme ma grand-mère et tout ça, mon grand-père, il a quand même pris dans l'association du Grand Ami parce qu'il est trop honorifique. Mm-hmm. Hein. C'est un patriote réfractaire. D'ailleurs, il y a même, pour passer la douane, il a même sauvé une vie d'un Français, sinon on n'aurait jamais passé la douane. Ah, il a été notifié comme preuve de courage, parce qu'il faisait le ravitaillement, et tout. Pendant la guerre. Oui. Et tout. Et même lors d'un bombardement, il y avait plein d'obus. Il a eu le se faire rapatrier, il a continué son ravitaillement pour ne pas laisser, pour ne pas abandonner les copains. Mm-hmm. C'est preuve de courage. Mm-hmm. Il a été enterré avec les pommes crapauds, hein, sous les honneurs et tout ça. Mm-hmm. Et que ces gens-là sous-entendent que c'est de la merde. Ça en est surtout, en tout cas, ça vaut tout le monde. Donc, je suis quand même une bonne famille. Et... Mais du côté de vos grands-parents, en fait, pas de vos parents, finalement. Bah, ma mère a été proposée députée. Factrice. Mon père, il est retraité, là, il a été agent en EDF, il est syndicat des cadres. Et même du côté du père, hein, les cousins et cousines, il y a du niveau. Mm-hmm. On ne va pas dire tout ce qu'ils font, mais il y a du niveau, il y a le septième programmateur, des trucs comme ça. C'est à la fois du côté maternel et paternel. Un peu aussi, ouais. Et vous alors? Moi? Oui, qu'est-ce que vous faites hein? Moi, je suis côté. J'aime bien côtoyer les gens. Aider les gens. Mm-hmm. Voyez, j'aime bien aider les gens. Si je peux les aider, même des personnes qui sont même des fois pas bien dans leur peau, j'arrive à leur parler, un petit peu à les recentrer. Mm-hmm. Moi, je suis plutôt dans l'humanitaire, on va dire. Mais mm-hmm. vous travaillez? Non, pas depuis un certain temps. Mm-hmm. Parce que tous ces contextes et tout ce qui arrive à loin, ça m'a un peu envahi. Et auparavant, vous êtes Auparavant, oui, parce que je suis arrivé ici, j'ai même eu un rappel de 4000 euros de Pôle emploi, et je touchais 985 euros à peu près pendant un an et demi de chômage. Mm. Donc ça prouve vraiment que j'étais quelqu'un qui travaillait bien. Qu'est-ce que vous faisiez? Alors, j'étais magasinier cariste, mais en intérim, on fait beaucoup d'autres boulots. Mm. Donc j'ai travaillé, j'ai beaucoup de polyvalence, j'ai travaillé aussi dans la plasturgie. Et tout, j'ai fait plein de boulot. Mmh. Donc j'ai fait aussi dans la vente. Mmh. J'ai des connaissances en secrétariat, comptabilité. Mmh. J'ai des connaissances diverses. Actuellement, je me suis quand même investi dans une association qui est la Parfait. Ah, j'ai connu ça. La LGM. Association à Parfait. Ouais, la LGM rue de la Patrie. Groupe d'entraînement mutuel, c'est reconnu par le ministère de la Santé. D'accord. Je suis administrateur. D'accord. Donc c'est bien un administrateur, ça veut dire que je m'investis et tout. Mm-hmm. Et pourtant les éducateurs ont été maîtres jetéogènes et que j'y vais jeter. Ce sont quand même des choses graves. Mais ça consiste en quoi cette association? Alors cette association, c'est une association qui touche les subventions de l'ARS. Oui. Hein, mm-hmm. Qui sont pour des personnes qui sont en situation de handicap physique, psychique, ou pour qui cognitive aussi, le cognitif, il faut jouer ce que c'est exactement, c'est un problème à ce moment-là. Et pour qui contre les éléments aussi. Hein, c'est ouvert à tous. On essaie de faire en sorte de ne pas de différencier des personnes handicapées, des malades mentaux avec des gens normaux. On essaie de. Voilà. De les accueillir ou bien. L'accueil, c'est tout le monde vient là. Hein, on vient là. C'est un lieu ouvert. C'est un lieu ouvert, c'est un lieu de vie et tout. Je me suis investi dans l'association parce que ça m'intéressait. Donc, vendredi, CA là, mm-hmm. et tout. Donc je fais des CA, je fais des intergènes, donc quand on a une réunion avec les autres gènes de la région, et tout, pour
différencier certains échanges, comment on fonctionne, aussi pour parler, du cahier des charges. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que le fait du contact auprès des gens, le contact auprès des gens, et puis aussi au milieu des personnes handicapées, on apprend beaucoup de ces gens-là. C'est un vécu, c'est extraordinaire, parce que tous les mois, une fois par mois, il y a un rendez-vous à l'espace de Chendé, avec la PE2A, l'hôpital de jour. On se réunit et tout, c'est un moment convivial. Là, je me souviens que je me suis pris quand même une claque. Parce que souvent, les gens ont des préjugés, ou bien connaissent très mal la maladie mentale ou physique. Et quand vous entendez qu'une personne qui a des vies comme vous, qui travaillez, qui a une voiture, et à cause d'un accident de voiture, il devient comme ça. Ça nous met face à la réalité des choses. Que souvent les gens disent « Ah, le handicapé, voilà si. » On a beaucoup trop de préjugés sur le handicap, mais sans y passer le mur, voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qui sont ces gens. C'est ça qui vous intéresse. Voilà. Et à un moment, depuis tout jeune, j'ai toujours voulu être éducateur. D'accord. Voilà. Mais le problème, c'est que quand j'ai fait ma formation au Val de Caux, d'éducation? Non, j'avais fait une POP, un projet d'orientation professionnelle, et j'avais fait un stage d'une semaine au Val de Caux. D'accord. Et au Val de Caux, on a sous-entendu que vu mon âge avancé, si je travaillais auprès des enfants, ça posera questionnement. Ça veut dire que, d'être éducateur, si je travaille avec les enfants, je suis un peu d'office. Voilà, que ça sous-entend. Et bien, j'en ai pleuré pendant 3 jours. D'accord. Je me suis orienté, j'ai dit, je suis un handicap et tout. On va déjà. Comme ça, on n'aura rien à me reprocher et tout. On dira pas ceci, pas cela. Et moi, je continue à être auprès des gens, si je peux les aider, même à des moments sympas. Et bien, parce que maintenant, je suis au gène, je suis un malade mental. Vous savez, si je suis un éducateur, parce que c'est facile, nos mots, les jargons, c'est facile le jargon, les mots, utiliser des mots pour sous-entendre d'autres mots. Moi, si je suis au gène, je suis un éducateur, et qu'on est en évidence que je suis au gène et qu'il vit végète, ce sont deux choses différentes. En plus, mettre quelqu'un qui végète dans une association où il y a des personnes qui sont en situation de handicap et de troubles psychiatriques, ça sous-entend bien ce qu'on veut dire. Et ce sont des choses graves quand même. Après, maintenant, on a vu que Yuan, c'est un petit garçon qui est intelligent, précoce. À 22 ans, il a appris son alphabet tout seul. À 3 ans, il m'a demandé à apprendre à lire et à écrire. Chose qu'on m'a refusé. J'ai compensé, comme il aime bien apprendre, découvrir et tout ça, j'ai compensé sur autre chose. Voilà. Et que les termes sociaux et la page, sous-entend que je suis un grand malade mental parce que je réponds aux questions de mon fils, qui est très intelligent. Il sait jouer aux dames, il est en train d'apprendre à jouer aux échecs. La maîtresse, elle le dit, qu'il est très intelligent. Il est peut-être, il y a peut-être des chances qu'il soit un surdoué. Mais parce que, il y a des contextes qui sont inquiétants du côté de la maman, je les ai dénoncés, qu'on m'a retiré mon enfant. Et que moi, on me fait passer pour le plus grand des salopards. Donc, vous voyez Johan, à quelle fréquence et comment elle a fait? Alors, la dame, la juge des enfants, dernier jugement, elle a dit 2 fois par mois. Voilà. Et la parole, vous n'aurez qu'une heure. 2 fois par mois, 2 fois 1 heure. Voilà. Mais sauf que là, aujourd'hui, il est droit à 1 heure. Une fois. Oui. Faut qu'on respecte pas les droits.
Ah, mais vous savez, nous, l'association, on fait en fonction de notre planning. On n'est pas habilité à faire des zones médiatisées. Mais s'ils ne sont pas habilités à faire des zones médiatisées, pourquoi ils le font? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ce sont des visites, mais médiatisées avec des éducateurs. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc vous avez pu voir Johan hier. Comment s'est-il passé? Ben, Johan, il est content de me voir, mais simplement, ben, il semblerait qu'il a peur de parler. Mm-hmm. Hein? Bon, vous avez pu prendre la canette? On l'a pas prise. Non? Non, on l'a pas prise. Et puis j'avais ramené des Kinder et tout, j'avais une grande petite Kinder et tout, produit et tout. Puis la joie de jouer et tout. On l'a pas utilisé la galette. Et donc, il aimerait revenir chez son papa. Voilà, il aimerait revenir chez son papa. Sa mère, il le déteste, il ne l'aimera jamais. C'est normal, un enfant ne peut pas aimer sa mère qui le traite comme une merde ou qui lui met des claques. Hein? Et c'est dommage parce que vous savez, j'ai tout fait moi, comme je suis mes parents divorcés, que j'ai vécu avec mes grands-parents. Pour moi, j'estime important de ne pas couper le lien entre le père et la mère, parce que c'est important pour l'enfant. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on a fait? Hein, parce que j'ai dénoncé des contextes lourds et inquiétants, et donc on détruit cet enfant pour cacher ces contextes. Et Johan a des ressources que l'on parle. C'est un enfant, il est super intelligent, il a des qualités, c'est un enfant, il est formidable cet enfant. C'est un, je le sur un piédestal et tout, mais quel est le parent qui ne mettrait pas son enfant sur un piédestal? C'est votre enfant unique aussi, donc... Mais les gens le font le dire. Écoutez... Hein? Mais même si j'aurais eu plusieurs enfants, j'ai aidé les enfants de ma vie, qui n'étaient pas mes enfants, hein. Je les ai aidés, je les ai valorisés, je les ai soutenus, j'ai fait un papa pour eux. Mm-hmm. J'ai jamais commis aucune faute. Mm-hmm. Et là maintenant, je suis toujours seul au portier sur terre. Tout ça pour récupérer un enfant. Et pour toucher la carte. Et là, et justement, son dernier compagnon, parce qu'on dit qu'il faut qu'il soit. Je boucle juste avec ça. Hein. Parce qu'on dit qu'il doit être dans un contexte ça, et tout le monde faut constater qu'il y a 5 enfants qui sont différents. Hein. Donc le dernier compagnon, quand même, pendant les fêtes de Noël, était parti avec un meilleur ami de la maman. Et la maman, il est revenu à la maison. Chez la maison. Donc c'était juste pour vous montrer que le contexte était bien simple. Hein. D'accord. Voilà. Écoutez, je vous tiendrai au courant pour la suite concernant les suites de Johan. Bah là, mais de toute façon, oui, et puis un rapport, j'ai le droit d'avoir un mémoire de position. En général, moi je rencontre les parents en fait. Hein, et puis on discute ensemble. Et il ne serait pas possible d'avoir une rencontre avec Yuan et moi pour que vous puissiez voir. Alors là, écoutez. Que vous puissiez voir vous-même le comportement de l'enfant avec moi. Ça, c'est le travail des services sociaux. Là, je dois tenir compte quand même de ce qui existait au niveau du jugement. Mais si vous n'êtes pas censuré. Ah, je me disais, oui, c'est super éducatif, ça. Non, mais vous êtes psychologue. Ah, je suis psychologue. Voilà. Je ne suis pas habilitée directement par une ordonnance du juge. Oui, mais d'accord. Vous n'êtes pas un service. Ah, mais vous avez votre évaluation avec votre enfant. Vous avez vu ce que vous avez pu voir, la maman avec l'enfant en même temps. Et qui apporte aussi une différence avec l'enfant. Enfin, moi, je me positionne
Donc, je vous tiendrai au courant. Ouais. Donc, vous avez vu quand même, hein. Donc elle fait des visites avec la maman et l'enfant, hein, mais elle ne fait pas de visite avec le papa et l'enfant. Et comme vous avez pu constater, elle ne comprend rien du tout à ce qu'on lui dit, elle repose des questions, ça fait 5 ou 6 séances qu'elle voit l'enfant, elle ne sait pas qu'il a des frères et sœurs. Voilà, c'est du gros foutage de gueule et tout. Bon, allez, je ne vais pas durer plus longtemps parce que ça fait. Voilà. Allez! A plus, j'en ai d'autres des enregistrements, je vous les trouverai et tout, j'en ai plein. Allez, ciao.